Lens 5e reçoit Nancy 20e. Des Lensois sur 2 défaites et sur 3 matchs sans victoire. C'est l'attaque qui est enrayée. Un seul but marqué sur les 3 derniers matchs. Les 100 et or doivent faire un résultat à la maison contre le dernier du classement. Nancy de son côté reste sur une défaite. Mais après 2 victoires et 2 nuls, les Lorrains avaient su améliorer la situation. En première période, c'est Nancy qui obtient la première grosse opportunité sur un pénalty. Pénalty accordé par Stéphanie Frappard. Amine Bassi s'élance à 10 minutes de la mi-temps. C'est Nancy qui mène à 1-0 au Stade Bollaert. C'est la petite surprise. Mais le dernier du championnat est en train de mener sur le terrain d'une équipe qui joue la montée en Ligue 1 Conforama. Premier but de la saison pour Amine Bassi. Lens est en difficulté. Les Lensois avaient gagné 3-0 sur le terrain de Nancy assez facilement lors du premier match entre les deux équipes. Mais ce n'est pas du tout la même histoire pour les joueurs de Philippe Montagnier qui doivent se rebeller. Même si Nancy se procure la première opportunité de la seconde période avec ce tir enroulé, sauvé par Jean-Louis Leca. Tir de Malali Dembélé. Les nordistes n'y sont pas encore. Beaucoup de difficultés à entrer dans le match et à enfin mettre la pression et se procurer de grosses occasions. Les Nancéens jouent les contres à mesure que Lens insiste, mais Lens parvient enfin à être dangereux et surtout à marquer. 56e minute, l'égalisation lensoise. Un but partout grâce à Achraf Bencharki, le joueur marocain, une des dernières recrues de Lens, inscrit son premier but en Dominos Ligue 2. But très important de Bencharki qui relance complètement l'équipe locale. Nancy a bien sûr toujours quelques contres intéressants à jouer, notamment ici avec Leca qui vient contrer in extremis Alexis Buzyn. Quelle parade du gardien lensois. Nancy paraît capable d'obtenir un résultat sur ce terrain. Mais Lens insiste de plus en plus. Le ballon sur le côté pour Yannick Gomis. Le centre et la reprise de la tête d'Achraf Bencharki. Le doublé pour le Marocain. 73e minute. Lens a renversé le match et mène 2-1. Deuxième but pour Bencharki donc en Dominos Ligue 2. C'est une arrivée parfaite dans ce championnat. Il devance Sergueï Tchernik, le gardien biélorusse n'est pas très heureux sur sa sortie. Et Bencharki en profite bien. Coup dur pour Nancy qui semblait capable de tenir au moins le point du nul. Et les Lensois ont eu raison d'insister et d'y croire jusqu'au bout. Lens a renversé le match et s'impose 2-1 contre Nancy.